مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المجاهدين، أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم كم لأنبياء الرسل عليهم السلام il est venu pour éclairer, pour enseigner, pour montrer le chemin, pour que les gens puissent faire le discernement entre al-haq et al-batil. Lorsqu'on parle de mission, lorsqu'on parle de risala, lorsqu'on parle de da'wa, lorsqu'on parle de ta'lim, en réalité, ça revient dans le même état d'esprit. At-ta'lim, l'enseignement. At-ta'lim, l'éducation. At-ta'lim, la mission de notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tous les anbiyas sont venus pour enseigner qu'est-ce qui est haq et à suivre, et qu'est-ce qui est batil et pour s'en éloigner. Alors, bien entendu, dans le ta'lim, il y a la connaissance, mais il y a aussi l'éducation. Et c'est toujours une forme de ta'lim aussi. Lorsque il est dit dans le Coran al-Karim au sujet de la description de notre Nabi alayhi salat wa salam et de sa mission, « Shahidan wa mubashiran wa nabira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira » Shahidan, il est témoin. Parce que Rabbul Alamin l'interrogera yawm al-qiyama par rapport à nous. Avons-nous suivi ou pas? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dira oui, ils ont été obéissants, non, ils n'ont pas été obéissants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est, lui, Habibullah. Lui, il est l'élu, al-Mustafa. Al-Nabi alayhi salatu wa sallam, sa parole, elle est véridique. C'est pour lui donner l'honneur, pour nous montrer l'honneur de Nabi alayhi salatu wa sallam. Pourtant, Allah sait tout, n'a pas besoin de témoignage de Nabi alayhi salatu wa sallam. Et malgré qu'il n'a pas besoin de témoignage des malaïka aussi, les malaïka sont considérés comme témoins. Shahidin, Katibin, il témoigne et il note. Et Allah Ta'ala n'a pas besoin. Mais c'est pour donner honneur aussi à ces malaïka, alayhim as-salam. Rasulullah alayhi salatu wa sallam, donc il est shahid par rapport à son grade important. Il est mubashir, il est nadir, annonciateur de bonnes nouvelles, il est avertisseur. Et là, c'est le ta'lim, mais dans le sens aussi de l'éducation. Parce que lorsque vous dites à un enfant, ou lorsque vous dites à un adulte, telle chose, elle est mauvaise. Quelle est la perception? Comment on va, nous, en entendant, en écoutant cet appel, cet enseignement, comment nous, on le perçoit? On le perçoit parfois en s'amusant, parfois on le perçoit en étant vraiment sérieux, et même quand on est sérieux, parfois on est distrait, parfois en s'amusant. C'est grave, c'est la négligence. Parfois on n'est pas en train de s'amuser. On est sérieux, mais on est distrait. C'est pourquoi il y a besoin de tafshir. Il y a derrière al-amal, il y a une félicité, il y a une récompense. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous décrit al-jannah, nous décrit al-thawab, nous décrit ce qui attend le mu'min dans al-qabr. Et tout ça c'est pour inciter. Il n'y a pas seulement l'enseignement, al-ta'lim, l'enseignement, il y a aussi l'éducation. Et al-tabshir, annoncer la bonne nouvelle, ça fait partie de la pédagogie de l'éducation. Parce que c'est pour inciter. Lorsque vous dites à quelqu'un, fais rosa, c'est obligatoire. Allah Ta'ala ordonne aux mu'minis de faire
mois de Ramadan. Ok, on a appris. Lorsqu'on lui dit, en plus de cela, combien il y a de sawab, ça incite. Ça s'appelle al-tabshir, mais c'est aussi une incitation. Cette incitation, ça fait partie de la pédagogie. Lorsqu'on est en train de faire de l'éducation par rapport à un enfant, lorsqu'il sait qu'il y a une bonne note qui l'attend et il va montrer ça devant les autres, devant les parents, ça incite. Ça incite à ce qu'il fasse de son mieux. Il y a un tafshir qui est une façon de faire de la pédagogie. Ça veut dire que la personne s'approche. Nous, on a besoin de quoi? De amal. Nous, on a besoin aussi, parce que nous sommes humains, parce que le shaytan, il nous voit, nous, on ne le voit pas, parce qu'il est en train de nous tenter, parce que al-nafs ammaratu bis-su illa man rahima rabbi, al-nafs ordonne le mal. Sauf une âme qui est protégée par Rabbul Alamin, par la rahmatu Rabbul Alamin, parce que l'être humain est faible, parce que l'être humain il est vulnérable, donc on a besoin de nous approcher. Avec quoi? Avec al-tabshir. On a dit, nous mettre aussi en garde contre Jahannam. Jahannam est le châtiment de Rabbul Alamin. Lorsque aussi on sait que quelqu'un qui désobéit, il y a quelque chose qui l'attend. Là aussi, on est dans le ta'lim, mais on est dans la pédagogie. L'enseignement et la pédagogie pour montrer quel est ce chemin mauvais et qu'est-ce que attend celui qui est en train de suivre le mauvais chemin. Wada'iyan ilallah ibn. Il appelle au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn, tout ça c'est par la promesse, par la permission, par la volonté d'Allah azza wa jalla. وسراجا منيرا il nous éclaire le chemin. Lui, il est notre nous. Il est notre lumière, il nous éclaire tous les chemins. Les Anbiya alayhi salam, depuis Hadrat Adam alayhi salam, ils sont enseignants. Ils éclairent le chemin. Ils montrent qu'est-ce qui est haq à faire, qu'est-ce qui est batil pour s'en éloigner. Lorsqu'on sait que la mission des Anbiya, c'est al-ta'lim, l'éducation de din. On sait que Ad-Din, c'est la chose la plus importante. Ceux qui sont les plus importants, leur mission, c'est Ad-Din. Donc, Ad-Din, cette mission, c'est la plus importante. Et lorsque quelqu'un, il a le privilège d'enseigner ou d'apprendre, il est en train de faire de l'héritage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et des Anbiya alayhi wa sallam. Bien entendu, enseigner la langue arabe, enseigner la grammaire, enseigner les sciences modernes, enseigner les métiers, tout ça c'est intéressant. Mais à comparer avec l'enseignement de Dieu, qu'est-ce qui est fort dans le salat? Qu'est-ce qui est fort dans le jeûne? Qu'est-ce qui est aqida? Qu'est-ce qui est iman? Qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram? Là, c'est l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'enseignement des Anbiya. Et donc ça lui donne un privilège particulier. Ça lui donne un privilège particulier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a enseigné Ad-Din. Qui c'est qui peut enseigner Ad-Din? Quelqu'un qui est digne de confiance. Quelqu'un qui ne s'éloigne pas de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut. Donc il est dans la garantie, mais quelle garantie il peut avoir lorsqu'il est dans l'enseignement de cette umma, les références de cette umma, les grands ulama de cette umma qui sont eux-mêmes acceptés comme étant références. Donc nous, on peut avoir une renommée. On peut avoir à un moment donné dans notre vie une popularité, on peut avoir de l'écho, on peut avoir de la prestance, un beau discours. Tout ça, en réalité, ce n'est garanti aucunement. Ce n'est aucunement une garantie. Qu'est-ce qui est garanti? C'est lorsque cette umma-là, qui a été fidèle à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'accorde à accepter l'enseignement. Comment la umma va accepter mon enseignement à moi, ou l'enseignement de tel ou tel maulana ou imam? Nous, on n'est pas connus. La umma ne va pas nous regarder, nous. La umma, c'est beaucoup. Mais en réalité, il s'agit
pas de la personne, du prof, du oustad. Il s'agit de son syllabus. Il s'agit de ses cours, les leçons qu'il est en train de donner. Et donc, lorsque moi je vais donner une leçon pour éduquer un enfant ou un adulte, et je me sers de mon intelligence, moi-même, je regarde pour un Karim, j'explique comme je comprends. Là, je n'ai aucune garantie. Et vous n'avez aucune garantie. Mais la garantie, elle a été donnée à qui dans cette ummah? Les Sahaba kiram, nous savons très bien qu'ils ont été fidèles à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par définition. Aucun Sahaba, par définition. Aucun Sahabi ne ment sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba, attention, ne sont pas ma'soum. La asma, la préservation contre les fautes, les erreurs, ça c'est les Abiya alayhi wa sallam. Les Sahaba n'ont pas la asma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sahabi peut se tromper, peut faire des erreurs, peut faire des choses peut-être graves. Mais mentir sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais. Nous savons très bien que les sahabas ne sont pas du même niveau. Il y a les Ashara Mubashirin, ils sont les meilleurs. Et même dans les Ashara Mubashirin, Sayyiduna Abu Bakr, Sayyiduna Omar, Sayyiduna Othman, Sayyiduna Ali, c'est les meilleurs. Et après les autres. Et puis après, on a tous ceux qui ont été dans la bataille de Badr. On a les chahides d'Uhud. Ils sont ceux qui ont été fidèles dans la bataille d'Uhud. Parce que dans la bataille d'Uhud, il y a eu des erreurs. Il y a des gens, parmi les Sahaba, qui n'ont pas écouté la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait une faute. Ceux qui étaient sur la colline des archers, bon, ceux-là, ils sont pardonnés aussi. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ils sont pardonnés. Mais on ne peut pas comparer quelqu'un qui a fauté à Sayyiduna Hamza radiallahu ta'ala anhu, à quelqu'un comme Sayyiduna Ali, comme Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas, comme Sa'ad ibn Rabi'a. Ceux-là qui n'ont pas désobéi aucunement, jamais, à aucun moment dans cette bataille. Mais les shuhada al-Uhud et ceux qui ont été fidèles dans la bataille d'Uhud, ceux qui ont été aussi sous l'arbre en train de prêter serment la bay'a à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bref, ceux-là c'est meilleur que les autres. Et puis après nous avons les Sahaba. D'abord la conquête de Mecca et les Sahaba d'après la conquête de Mecca. Ils ne sont pas au même niveau. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim. Ça c'est pas pour dire que les Sahaba sont à prendre avec à taviser leur parole ou à sélectionner. Non, leur parole, elle est respectée, eux-mêmes ils sont respectés, mais ils ne sont pas tous du même niveau. En tout cas, une chose est sûre dans la aqida de Ahl Sunnah, qu'un sahabi ne ment pas sur Rasulullah. Un sahabi ne ment pas sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il va rapporter fidèlement. Tout ça pour dire qu'il y a une garantie. Pas forcément pour telle ou telle action, mais parce qu'il transmet l'action de Rasulullah, là il est garanti. Après, il y a un tabi'i. Un tabi'i, c'est pas n'importe qui. Un tabi'i, c'est celui qui a étudié avec les Sahaba. À l'époque des Sahaba kiram, il y avait des gens qui ont été comme Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf, il a connu des Sahaba. Il a rencontré des Sahaba. Mais il a été odieux avec les Sahaba. Il a été avec une politique pour humilier certains Sahaba. On ne l'appelle pas des tabi'in. Al-Hajjaj bin Yusuf était un gouverneur, un tyran, un mauvais, un méchant. Il en a une autre, même avant lui. Yazid, il était en contact avec les Sahaba kiram. On ne l'appelle pas des tabi'in. Il n'a pas été élève avec les Sahaba kiram. Il n'a pas étudié avec les Sahaba kiram. Il n'est pas allé nous dire. Donc lui, même s'il était à cette époque, on l'appelle pas tabi'i. Qui sont alors les tabi'i? Les Sahaba. Tous ceux qui ont rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lors de la rencontre, ils étaient musulmans. Et au moment de leur wafat, ils étaient musulmans. Ils sont Sahaba. Ils ont étudié, ils n'ont pas
Taïbiyé, quelqu'un qui a rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une fois dans sa vie. Par exemple, à supposer, une fois dans sa vie, il l'a vu. Même si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas remarqué. Lors de la rencontre, l'homme était musulman ou la femme était musulmane. Voilà la rencontre. Elle a eu lieu. Rencontre. Même si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas remarqué la personne, elle a rencontré Rasulullah, la personne était musulmane lors de la rencontre. Même si elle l'a vu de loin, cette personne. Et au moment de la wafat de la personne, elle était encore musulmane. Donc cette personne, on la qualifie de quoi ? Sahaba. Imam Ibn Hajar al-Asqalani dit, on peut dire à peu près qu'il y a 100 000 Sahaba. Mais nous, on connaît le nombre de 10 000. Et sur les 10 000, on ne connaît pas grand-chose parfois sur certains. Tous, on n'a pas une tradition rapportée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ça c'est regarder musulman et il décède, il est musulman, sahaba. Il a appris beaucoup, il n'a pas appris. C'est pas la condition. Mais un tabi'in. Il suffit pas de rencontrer des sahaba pour qu'on l'appelle tabi'in. Faut qu'il étudie avec les sahaba. Il apprend l'ilmuddin. Il est en train d'apprendre l'ilmuddin et il transmet l'ilmuddin où il ne le transmet pas beaucoup. Donc ceux-là, on les appelle des tabi'in. Et alors, les tabi'in, lorsque un tabi'in parle, il faut que ce soit quelqu'un qui ait de confiance. Un tabi'in qui dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors qu'il faut regarder si ce tabi'in est quelqu'un de fiable ou non. Il va dire, j'ai appris avec un sahabi. Même s'il a appris avec un sahabi, on va regarder si lui il est fiable ou non. Le sahabi qui dit, Rasulullah a dit, c'est vrai. On ne peut pas dire le sahabi, il ment ou il ne ment pas. On peut dire peut-être le sahabi a oublié, ça peut arriver. Mais on ne peut pas dire le sahabi a menti sur Rasulullah. Mais le tabi'i, lui, il est comme les autres. On va juger s'il est fiable, s'il n'est pas fiable, s'il est correct avec son épouse, avec les voisins, s'il est correct dans la société, pas correct dans la société. Tout ça entre dans les critères de la fiabilité. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'en fin de compte, la Ummah a commencé à juger depuis cette époque. Depuis cette époque, on sait qu'il rapporte correctement ou pas correctement. Et puis après, on a dit au tabi'in et les générations qui se suivent. Quand l'imam al-Bukhari il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui, il a vécu dans le deuxième et le troisième siècle de l'Égypte. Donc entre lui et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs générations. Donc obligé, lui quand il rapporte, il dit « un tel m'a appris ». Et ce « un tel », c'est l'autre qui lui a appris. Il va dire qui est-ce. Et « un tel » qui a appris et remonte, il y a quatre, parfois cinq, dans la chaîne de transmission de l'Ibrahim. Et chacun d'eux doit être fiable. Chacun d'eux doit être correct. Chacun d'eux doit être absolument authentique. Qu'est-ce que ça veut dire authentique? Il ne ment jamais. C'est pas quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui respecte un dîn. C'est quelqu'un qui pratique correctement un dîn. Donc ça c'est pour dire que l'affaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle parole, il s'est assis comme ci ou il s'est pas assis comme ça. On le rapporte. Bien que ce soit avec une chaîne de transmission fiable, sûre. Si elle n'est pas fiable, ils vont dire c'est pas très sûr. Ils vont dire c'est pas très sûr. Ou alors c'est un peu sûr. Ou c'est un peu pas, c'est un peu beaucoup, c'est un peu moins. Ils ont beaucoup de critères sur cette affaire de fiabilité. Ça c'est la transmission. Mais il n'y a pas que la transmission, il y a la compréhension. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, نَضَّرَ اللَّهُ مَرَأً, qu'Allah ta'ala éclaire le visage d'un homme ou d'une personne. Éclaire la clarté, la santé, mais pas seulement la santé, la félicité dans la jannah. Je ne parle pas de la dunya.
الإنسان في الجنة نظر الله امرأً والله تعالى قال خلاف التلفزيون لوميير نور صغير من كونسيكونس ذات الله على الجنة امرأة سمع مقالتي فرعاها إلى entendu ma parole et il a bien appris il a bien retenu فأداها كما سمعها et il a transmis comme il l'a appris فأداها كما سمعها كيف يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فرب مبلغ أو عالم سامع il se peut que quelqu'un à qui on transmet comprend mieux que celui qui a appris. Quelqu'un comme le tabi'i, qui a transmis au tabi'i tabi'i, il a transmis à son élève. Peut-être que son élève, il va comprendre mieux que lui. Peut-être que son élève va comprendre mieux que lui. Même chez les sahaba kiram, ne vous étonnez pas, c'est un exemple de respect. Tous les sahaba n'étaient pas des muftis. Mufti, qu'est-ce que ça veut dire mufti? À cette époque, celui qu'on appelait mufti, c'est quelqu'un qui est grand alim mufti. Quelqu'un qui dit halal, haram, recommandé, pas recommandé, valable, pas valable, pas valable. Quelqu'un qui donne les réponses sur comment partager l'héritage. Pas n'importe qui parmi les sahaba. Il y avait à peu près une centaine de sahaba qui le faisaient. Si on dit qu'il y avait 100 000 sahaba, on connaît le nombre de 10 000 parmi les sahaba, et juste une centaine qui donnent des fatwas, et les autres ne donnent pas de fatwas, c'est dire qu'eux, ils avaient aussi un critère assez sévère pour se permettre ou ne pas se permettre de donner une fatwa. Et alors les tabi'in, lorsque ils apprenaient de ceux qui sont des sahaba, même pas forcément mufti parmi les sahaba. Parce que parfois un tabi'i pouvait donner des explications que certains sahaba ne pouvaient pas donner. Ainsi comme ça, c'est comme ça la vie, c'est comme ça le niveau de connaissance. Et ça c'est pas pour dire que quelqu'un qui vient après est meilleur. Quelqu'un qui connaît plus n'est pas forcément meilleur. Beaucoup de ulama disent, beaucoup de ulama et la plupart des ulama, la majorité des ulama de la Umma disent le plus alim parmi les sahaba c'est qui? Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali était très 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 fort en connaissance de Dieu. D'ailleurs, le hadith sharif était connu, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ana madinatul ilm. C'est moi la cité du savoir et Ali c'est sa porte. Dire à quel point il est important Sayyiduna Ali. Et pourtant, Ahlus Sunnah wal Jama'a disent que Sayyiduna Abu Bakr, Sayyiduna Omar, ils sont meilleurs que Sayyiduna Ali. C'est pas la question, il connaît plus ou il ne connaît pas plus. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé son cousin Ibn Abbas al-Bahr, l'océan. Tellement il était grand à l'imouti. Il a fait du'a pour lui. Allahumma, faqtibu fiddin. Ya Rab, donne-lui la connaissance des lois de Dieu. La compréhension profonde de Dieu. Wa allimhu al-ta'wil. Et apprends-lui comment faire le ta'wil. Ça veut dire quoi ta'wil? L'explication des versets du Coran. Vous savez à quel âge il avait Ibn Abbas lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a quitté son nom? Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a quitté son nom, Ibn Abbas il avait 13 ans. 13 ans. Sayyiduna Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, il est né 3 ans avant la Hijra, avant l'immigration. La Hijra 10 ans, 13 ans il avait. Au moment de l'opin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez un jeune comme lui, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qualifie de Bahr. Mais lui, il n'a pas participé à la bataille de Badr. Il était très petit. Il avait à cet âge, il avait à cette époque-là 5 ans. 5 ans. Donc il y avait des badriyins. Sayyiduna Omar, il consulte les badriyins. Et il invite Ibn
Ibn Abbas avec. Ibn Abbas, devant eux, il a l'âge de leur fils ou leur petit-fils. Il a l'âge de leur fils ou leur petit-fils. Ils trouvaient ça choquant. Ils ont fait la remarque à Sayyidina Omar, radiallahu anhu. Alors Sayyidina Omar, il a voulu leur montrer à quel point ce jeune est grand à l'étudier et il connaît des choses que eux ne connaissent pas. Ils ont vécu eux-mêmes des situations. Lui, il ne les a pas vécues, mais il connaît parfaitement de quoi il s'agit. Alors il l'interroge devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire la parole de Allah Azza wa Jal, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فمن يريكم dit Allah Ta'ala, il nous rappelle ses faveurs lorsque la victoire de la part de Allah arrive, la conquête de Mecca arrive. إذا جاء نصر الله, la victoire de la part de Allah, والفتح, la conquête de Mecca. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et tu vois les gens entrer dans l'islam en masse. Et c'est vrai, après la conquête de Mecca, c'était la débute. Après, il y a eu la bataille de Hunayn, pas loin de Mecca. Et puis après, il y a eu la conquête autour de Taif. Et l'année 9, les Arabes, de partout de l'Arabie, ils sont venus, ils étaient plus de 70. Plus de 70. Pas expédition, c'était des groupes qui sont venus prêter serment à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de partout en Arabie. Ils envoyaient un groupe délégation, c'était l'année des délégations. Am al-Wufur. Et ils ont dit voilà, donc c'est ça. Fasabbih bihamd rabbika wastaghfir. Alors, fais le tasbih. Et en évoquant les louanges d'Allah azza wa jalla. Eux-mêmes, ils disent, voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ibn Abbas, il dit, non, en fait, ça, c'est pour montrer que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allait nous quitter bientôt. Je leur ai dit, voyez, lui, il a compris ce qui est sous-entendu par cette sourate, et vous, vous n'avez pas compris. Comment ? Il dit, ce fatah, ce jeune, l'aboulissant de nous s'abouille, il a une langue qui pose beaucoup de questions. Et il a un cœur qui retient bien. Je donne, à partir des Sahaba, à partir des Tabi'in et des Tabi'in Tabi'in, et quand on parle de l'ilm, de la connaissance, on n'est pas en train de manquer de respect à un Sahaba quand on dit un tel, il peut connaître plus qu'un tel parmi les Sahaba. Ça, ça ne veut pas dire que le Sahabi n'est pas meilleur que celui qui est venu après lui. Tout ça, c'est différent. Ce sont deux choses complètement différentes. Et ainsi de suite, la Ummah a donné sa garantie à qui ? À ceux qui sont des Tabi'in, des Tabi'in, et qui étaient fidèles, qui avaient appris correctement et dignement. Et puis après, quand ils commençaient à donner des fatwas, ils donnaient des fatwas, et on le sait, il y a beaucoup de divergences dans les fatwas, même parmi les Sahaba. Alors pourquoi il y a des divergences? Parfois, on regarde ça avec un mauvais œil. On se dit pourquoi la division? Mais il ne s'agit pas de division. En réalité, chacun, il veut être le plus fidèle au texte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissent bien les textes, sinon ils ne peuvent pas donner le fatwa. Alors, étant donné que chacun va interpréter le texte, il va dire, oui, mais moi je l'ai compris comme ça, parce que les Sahaba, ils ont fait comme ça. Ou alors il va dire, parce que les Tabi'in, ils ont fait comme ça. Donc ça va aider à comprendre. Ou alors parce qu'il y a un autre hadith de Rasulullah, ça va faire comprendre comme ci ou comme ça. Et puis après, ils divergent, chacun les comprend différemment. Chacun veut être le plus fidèle au texte. Et donc, ils sont fidèles. Ils sont fidèles à partir de cette fidélité, à partir de leur maîtrise du sujet, à partir de leur perspicacité, à partir de leur diversification des connaissances et leur maîtrise dans toutes ces connaissances autour de la matière.
langue arabe, la grammaire arabe, le tafsir, le Coran, la chaîne de transmission. Donc on sait que la Umma donne garantie à Imam al-Khalifa, à Imam al-Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, comme il y a garantie à d'autres qui sont moins connus, même qu'ils étaient plus importants peut-être, comme Sayyiduna Imam al-Awza'i, Imam al-Hassan al-Basri ou d'autres encore. Comme Saïd bin Jubayr, qui était l'élève d'Ibn Abbas, ou autre encore. En tout cas, nous, il nous reste de cette tradition, ces quatre madhabs. Donc il y a une garantie. Aujourd'hui, quand on veut donner quelque chose auquel il y a une garantie, eh bien, on est en train d'écouter les quatre madhabs. Sinon, on ne peut pas savoir si notre compréhension elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Les wahhabis, par exemple, ils nous disent pourquoi vous suivez les quatre madhabs, pourquoi vous faites taqlid, suivez directement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ok ? On va suivre directement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et alors si on va suivre directement la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut maîtriser le sujet. Il faut maîtriser le sujet. On est en train de parler de salat. Quelqu'un qui a douté dans un salat. Il a douté dans un salat. Ça arrive à n'importe quel musulman qui fait un salat, il doute. Alors comment il va régler son affaire? Il a douté dans un salat. Comment il va faire? On va lui dire, suis directement la parole de Rasulullah. Mais qu'est-ce qu'il a bien dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans cette affaire? Moi, je fais la main. Et je doute. Je ne sais pas comment je vais aller voir directement la parole de Rasulullah sur le sujet. À supposer que je suis allé regarder. Imam Bukhari, il a rapporté quelques hadiths à ce sujet. Imam Muslim aussi. Imam Abu Dawud aussi. Tirmidhi aussi. Où est-ce que je vais trouver tous ces hadiths, moi? Est-ce que tout musulman connaît l'arabe? Et chaque musulman, étant donné qu'il ne peut pas connaître forcément l'arabe, est-ce qu'on va l'obliger à connaître l'arabe? Est-ce que c'est obligatoire? Et à supposer qu'il connaît l'arabe, où est-ce qu'il va trouver les livres de Bukhari, de Muslim, de Tirmidhi, de Nasa'i? Est-ce que chacun est obligé de connaître tous ces livres? À chaque événement, à chaque mas'ala, il faut qu'on aille chercher. Bukhari lui-même, il y a plus de 7000 hadiths. Il faut les connaître. Il faut à chaque fois étudier soi-même. Et à chaque fois comprendre soi-même. Comment on va pouvoir faire ça? Ça veut dire que chacun devient grand alimoutir. Est-ce que c'est obligé de dire que chacun devienne grand alimoutir? Non, ce n'est pas obligé. Et ça, c'est connu que ce n'est pas obligatoire. فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Si de chaque groupe, il y a une partie qui part pour apprendre et pour, par la suite, transmettre l'enseignement à leur peuple quand ils reviennent, comme ça, ils seront mis en garde. C'est comme ça que c'est connu. Et finalement, lorsque dans la pratique, un wahhabi veut savoir telle ou telle affaire, qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort Al-Lujna al-Da'ima, le comité permanent en Arabie Saoudite, a dit telle chose et sunna. Le comité permanent a dit telle chose et bid'a. Le comité permanent a dit que telle chose, finalement. Ils n'ont pas interrogé Rasulullah, ils ont interrogé le comité permanent. Et le comité permanent, c'est qui? C'est Ibn Baz, c'est Al-Husayn, c'est un tel ou un tel. Comment leur faire confiance à ces gens? On dit ici à sa boucle-là. Et non pas Imam Abu Hanifa, pourquoi? Pourquoi pas Imam Abu Hanifa? Pourquoi pas Imam Ash-Shafi? Pourquoi pas Imam Malik? Comment leur faire confiance à ces gens-là? Pourquoi eux, ils n'ont pas les grands ulama? Et le paradoxe, c'est qu'ils nous disent Salafi. Salaf, ça veut dire ceux qui suivent les salafis. Les salafs, en réalité, dans la langue arabe et dans la culture musulmane, ça veut dire les ulama des trois premiers siècles. Les ulama des trois premiers siècles. Ça veut dire l'imam Abu Hanif. Ça veut dire l'imam Malik. Ça veut dire l'imam Ash-Shafi'i, l'imam Ahmad. Ils étaient dans les trois premiers siècles.
Ça veut dire l'imam al-Bukhari. Ça veut dire l'imam muslim. Cela était dans les trois premiers siècles. Alors pourquoi le Husayn? Lui, il est mort il n'y a pas très longtemps. Pourquoi pas Abu Hanifa qui est l'élevé des salafs en réalité? Tout ça, c'est mensonge sur mensonge. Le titre de salaf, ils se sont accaparés ce titre parce que depuis qu'ils se sont propagés, les ulama les avaient appelés wahhabis. Ils mettaient en garde contre les wahhabis. Depuis qu'il y a eu l'Arabita, la Ligue islamique mondiale, ils ont dit dans leur politique, on va changer de titre. Les gens, ils nous critiquent, nous sommes wahhabis. Nous allons dire, nous sommes salafis. Donc le titre salafi, ils se sont accaparés ce titre, ils ne sont en rien en train de suivre les salafis. Tout ça pour dire que la Umma, en réalité, donne des garanties. Et il y a des garanties connues. Ces garanties connues, c'est par rapport à l'enseignement dans ces madrasas-là. Cet enseignement-là, c'est obligatoire. Là, on arrive à une autre partie de notre causerie. Je n'ai pas l'intention de parler très longtemps, mais il y a quand même quelques parties qui sont importantes à élucider. La deuxième partie très importante dans cette affaire, c'est l'éducation elle-même, comment elle se présente. Lorsque le musulman, il sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Talabul ilm faridatun ala kulli muslim » La quête de la connaissance est obligatoire pour tout musulman. Le musulman, comment il perçoit son hadith chéri? Radio oui, c'est normal, on va dans les nations, on écoute les causeries. On va envoyer nos enfants dans les madrasas, comme ça ils vont apprendre. Est-ce que vous croyez honnêtement que c'est suffisant? Est-ce que vous croyez honnêtement que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant parce que, quand on est dans les masjids, le rôle dans le masjid, c'est vrai qu'il a le rôle de l'éducation. Mais la plupart du temps, l'imam, le khatib, il est en train de faire un waouh. Le waouh, c'est un rappel à l'ordre. Le waouh, en lui-même, ce n'est pas une éducation. C'est un rappel à l'ordre. C'est un sermon. Craignez Allah. Rappelez-vous, il y a Al-Jannah, il y a l'Akhirah, il y a l'enfer. C'est un rappel. Mais lorsque la personne ne connaît pas correctement les préceptes de la Aqida, il va entendre dans les waouh quelque chose dans le sujet de la Aqida. Il ne va pas être formé. Il y a une différence entre suivre des cours, apprendre et écouter la loi. La plupart des musulmans, depuis qu'il y a eu l'engouement pour l'éducation séculaire académique, c'est normal, c'est notre société. Nous vivons dans cette société. Depuis maintenant le début du XXe siècle, c'était un engouement. Il faut que la société soit autour de cette façon d'éduquer les enfants. Pour que les enfants soient bien éduqués, ils vont devenir diplômés. Donc c'est à quoi aspirent les parents. Donc on les envoie dans les écoles. Donc l'engouement pour les madrasas est plus différent. Et même quand on envoie dans les madrasas, est-ce qu'il y a toujours un niveau assez performant dans les madrasas? Il n'y a pas toujours un niveau assez performant dans les madrasas. Donc il y a quelque chose qui a été à un moment donné disloqué. À un moment donné, il y a eu une faille énorme. Il y a eu un fossé qui s'est creusé et qui devient de plus en plus important. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui, la réponse, est-ce qu'on va dire aujourd'hui, quelqu'un qui fréquente les madrasas pendant quelques années, puis après il grandit, il va dans la vie active, et puis après il continue à fréquenter les masjids. Est-ce que lui, il a acquis l'éducation telle que le hadith sharif il le dit? Non, pas assez. Parce que on connaît le niveau des madrasas. Et malheureusement, on connaît aussi le niveau, pas seulement des madrasas ici, des madrasas ailleurs aussi dans le monde, même les madrasas qu'on peut appeler Darul Uloum, qui produisent parfois des manglanas. On sait très bien que le niveau a baissé énormément. Quand je dis énormément, c'est pas d'un degré ou de deux degrés, ça veut dire que les livres qui doivent être acquis, on ne fait plus comme ils devaient se faire.
appelle ce que je dis. Je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour faire de problème avec qui que ce soit. Normalement, le niveau de quelqu'un qu'on peut appeler grand alimuddin, quand il va être grand alimuddin dans le madhhab de l'imam Abu Hanifa ou dans le madhhab de l'imam Ash-Shafi, il y a un syllabus à respecter. On commence par les petits et puis après on grandit. Lorsque on commence par les petits, on lui demande de les apprendre par cœur. Et on lui explique mot par mot chaque phrase, chaque chapitre du livre. Quand on va apprendre Fiqh al-Hanafi, on va apprendre par exemple le livre Nour al-Idah. Nour al-Idah, on va l'apprendre par cœur. Et puis après, les oustans, ils vont l'expliquer petit à petit, entièrement. Et il va apprendre Al-Hidaya par cœur. Il va apprendre Kanz al-Daqa'iq par cœur. Il va apprendre Al-Quduri par cœur. Voilà quelques-uns des livres qui sont très sollicités dans le bâton. Il progresse, il va étudier les commentaires. Il progresse, il va étudier d'autres commentaires. Ça, c'est uniquement dans la branche de Fiqh. Dans l'Aqida. Pareil, il va apprendre plusieurs livres de base. Et il progresse de cette manière-là. C'est quelqu'un comme celui-ci qui progresse et il devient grand alimuddin dans tel ou tel bâton. Pas autour. Et on sait très bien que ces livres-là ne sont plus enseignés. Ils sont dans le syllabus, mais on ne les travaille pas. On ne les travaille pas. Parfois, on les parcourt vite comme ça, mais on ne les étudie pas correctement. Donc, on connaît le niveau, on sait que le niveau a baissé. Tout ça pour dire que, étant donné qu'il y a eu un engouement pour l'enseignement autre, on a délaissé l'enseignement des madrasas. Ok, nous sommes dans une société, on ne peut pas faire autrement. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Même si on ne produit pas de grands alimdis, au moins, on apprend l'essentiel. Au moins, on essaye de remonter le niveau. Au moins, on prend ces enfants et on leur donne l'essentiel de façon à ce qu'ils comprennent. Et puis après, dans la vie active, ils peuvent toujours venir dans des cours de formation, pas uniquement dans des wahab. Et de cette manière-là, on aura dans la société des gens qui comprennent parfaitement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, ce n'est pas un mot qu'on jette comme ça pour défier. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où le riba est de partout. Le riba, l'usure, les intérêts, c'est de partout. Alors comment faire les transactions? Vous croyez que l'islam, il attend les outils modernes pour répondre à une question comme celle-ci? Eh bien non, ce genre de question est déjà élaboré depuis très longtemps dans les 80. Lorsque aujourd'hui, on nous parle du phénomène de problèmes concernant les relations entre musulmans et non-musulmans, l'arrivée au pouvoir, pas l'arrivée au pouvoir. Mais pareil, les fatwas ont été déjà élaborés depuis très longtemps. Quand on est en train de parler de la question familiale et de l'héritage, pareil, tout ça c'est déjà réglé. C'est vrai que nous n'allons pas pouvoir former les jeunes d'un seul coup pour devenir des grands alimoudis, ce n'est pas le but. Mais le but, c'est qu'ils connaissent l'essentiel pour répondre au hadith shalif. On demande à l'imam Malik, radiyallahu anhu, comment alors? La quête de la connaissance de dîn est une obligation qui incombe à tout musulman. Comment? Il a dit, c'est pas compliqué, tu regardes ce que tu dois faire dans ton quotidien. Dans ton quotidien. Donc, à ta salade, donc ça fait partie. Dans ton quotidien, quand c'est Ramadan, tu dois jeûner. Dans ton quotidien, quand tu as les moyens, tu dois aller au Hajj. Donc, ça te concerne. Tu dois donner zakat, donc ça te concerne. Et c'est cette façon-là qui va nous protéger de l'arrivée. Parce que c'est cette façon-là qui va nous protéger des péchés. C'est cette chose-là, cet enseignement, cette éducation-là, qui va nous protéger de Jahannam. Allah Ta'ala a dit, « Ya ayyuhal ladhina amanu, qu'ou anfusakum wa ahlikum na
جدا وقودها الناس والحجاره دول يكون بيستبر ايه كيوت الامام عليها ملائكه غلاف شداد تبدي فرد فرشته لزوج غلاف سباب شداد بير لا يعصون الله ما امرهم جميع بزبيس الله ويفعلون ما يكرهون Ils exécutent ce que l'on leur donne de faire. Comment ? Eh bien, apprendre les connaissances de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va faire le haram. Et quand il va faire le haram, est-ce qu'il est excusé ? Bien entendu, il y a une différence entre quelqu'un qui fait par ignorance et quelqu'un qui s'enfonce en connaissance de cause. C'est plus grave. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas faire sa ramasse correctement, qui ne fait pas les transactions correctement. Est-ce qu'on va l'excuser ? On ne va pas devoir l'excuser. Le haram reste haram. Le haram reste haram. On ne va pas donner un exemple sur les transactions. Ou alors on peut en donner. On peut en donner un sur la transaction. C'était à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bilal, radiallahu ta'ala, il vient au marché, il est en train d'échanger des dattes de bonne qualité avec des dattes de mauvaise qualité. Il va prendre deux volumes de mauvaise qualité contre un volume de bonne qualité. C'est le prix. C'est le prix. Ça, ça coûte 10 et là, ça coûte 5. Alors tu prends deux volumes, ça fait 10. Ce n'était pas forcément 10 ou 5. Je donne l'exemple. Mais il était en train d'échanger des dates contre des dates. Et c'était deux volumes contre un. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui remarque la transaction, il dit à Bilal, vous faites ça souvent ? Il lui dit oui, il lui dit c'est riba. Il lui dit c'est riba. Bien entendu, Sayyidina Bilal, c'était l'époque où Rasulullah enseigne. Mais maintenant, l'enseignement est déjà fini, c'est déjà passé. Est-ce qu'à chaque fois, on va recommencer la même chose et on va dire ah, je ne savais pas ? Ou alors, on va dire, non, c'est pas riba pour un tel, ou c'est riba pour l'autre, riba c'est riba. En réalité, lorsqu'il s'agit des aliments, entre eux, si c'est le même genre d'aliments, date avec date, blé avec blé, riz avec riz, orge avec orge, maïs avec maïs, sel avec sel, sucre avec sucre, aliment avec aliment. Et quand les deux côtés, les deux parts, on est dans le même genre, il faut que ce soit le même volume. On me dit, mais c'est pas la bonne qualité, et alors que c'est une très très bonne qualité. Eh bien, ne faites pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à Hadrat Bilal ? Il lui dit, alors tu vends contre de l'argent, et tu achètes avec de l'argent. Finalement, les deux volumes, il les a vendus. Le volume, il l'a acheté. Mais il n'a pas fait l'échange d'une contre l'autre. Ça, c'est pour une sagesse. Je la connais, ou je ne la connais pas, il y a une sagesse. Il y a une sagesse. Mais on connaît, nous, que c'est haram. L'or avec l'or. J'arrive avec une montre en or. Et je veux prendre quelques bijoux à la place. En or. En or. Si ce n'est pas le même poids des deux côtés, c'est riba. C'est riba. Mais alors on va me dire, mais la montre, elle a beaucoup de valeur, la marque. La fabrication, le design, le. Enfin, ça, c'est important. Et de l'autre côté, c'est des bijoux. Mais il n'y a pas quelque chose de particulier forcément. C'est pas ça qui compte. Dans l'affaire de dire, par rapport à l'or, avec l'or, l'argent, avec l'argent, pour les aliments du même genre, il faut que ce soit, de l'autre côté, or et argent, qu'il soit le même poids, et par rapport aux aliments, qu'il soit le même. Et attention, si c'est des dates contre des raisins, il n'y a aucun problème. Volume, le même, pas le même volume, ce n'est pas un problème. Pourquoi ? On ne va pas maintenant expliquer pourquoi. Ce n'est pas le but, c'est pour dire que dans la charia, il y a des restrictions. On les connaît ou on ne les connaît pas. Il faut les étudier. On va donner l'exemple sur le comportement. Commérage. Quelqu'un qui a dit. Les gens, ils viennent me voir. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que je vais en penser ? Les gens s'attendent tout de suite. Ah oui, il n'est pas beau. Il n'est pas très grand. Il n'a pas, pas une belle voix. Il marche bizarre.
Ils s'attendent à ce que chacun fasse des commérages, parler de l'autre. Qu'est-ce que t'en penses? Je n'ai pas à penser autre que du bien. Et finalement, c'est un comportement social qui est totalement répandu et malheureusement, ça appelle à riba, ça appelle à l'anima, ça appelle au mensonge, ça appelle à la moquerie, ça appelle à vexer le musulman. On n'a pas le droit. Parfois, on entend quelqu'un critiquer l'autre. De quel droit tu critiques? Il dit, mais moi je suis capable de le lui dire en face. Mais est-ce que le lui dire en face, c'est halal? Est-ce que le lui dire en face, est-ce que c'est halal? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce qu'on a appris qu'est-ce que ça veut dire ceci ou cela? Bref, je veux dire, dans toutes les affaires de notre quotidien, il y a des enseignements de tir. Il faut les connaître. Il faut les apprendre. Et il faut, avec la connaissance, il y a l'éducation. Il y a l'éducation. L'éducation, c'est comme lorsque vous avez un tissu. Et vous allez le marquer avec une couleur. Vous mettez la couleur dessus. Est-ce que vous croyez qu'en mettant la couleur dessus, ça y est? C'est devenu rouge, c'est devenu bleu. Bien non. Il y a parfois plusieurs méthodes pour que ça s'imprègne. Parfois, il faut passer dans la chaleur, sinon ça ne passe pas. Ça se fixe, c'est pas dessus. Lorsque on est en train de tordre un bout de bois, une planche, pareil, on tord et ça revient. Il faut un traitement particulier. Le traitement particulier, c'est ce qui va fixer notre traitement. Notre traitement qui est enseignement de dire a besoin de quoi? D'une fixation qui s'appelle éducation. Lorsque on dit à l'enfant, ne mens pas. Parfois, il continue à mentir. Jusqu'au jour où on le rompt. Parfois, ça ne marche pas. Jusqu'au jour où on le donne à baisser. Jusqu'au jour où on le plie. On le sanctionne. Et avec ça, on sait que le traitement a été fixé. Comme une couleur qu'on a fixée sur un vêtement. Et de cette manière-là, on a ce qu'on appelle l'éducation qui accompagne l'enseignement. Et ça, c'est une obligation dans la vie. Aujourd'hui, et à n'importe quelle époque, cette affaire d'éducation, la connaissance de la charia de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance en ce qui concerne la aqidah, tout ça, c'est obligatoire. Mais c'est pourquoi aussi, à un moment, lorsque les ulama, ils ont vu que les gens se sont tellement éloignés de l'éducation, ils ont fait ce qu'on appelle l'éducation tariqa silsila soufiya. Nous en sommes où? Il a pour objectif de fixer la couleur, de fixer l'éducation. Nous en sommes où? Il a cette vocation. La vocation d'enseigner, et pas seulement de l'enseignement, d'aider le cœur avec l'Ikrullah, d'aider le cœur avec le rappel, avec les récits d'Auliyaullah. Le rappel, en écoutant dans l'éducation du wali ou du mourshid, quels sont les défauts de chacun et comment les corriger. Aller dans la profondeur, dans les petites ruelles de son cœur, et pour lui apprendre comment cadenasser ce cœur, comment le protéger, comment fermer la porte à Shaytan, ça s'appelle de l'éducation. Donc on a besoin de l'enseignement, nous avons besoin de l'éducation, au point qu'un des grands ulama avait dit un jour, celui qui apprend, mais qui ne s'éduque pas chez les soufis, il risque de faire du fisq, il risque de devenir fasiq. Et celui qui va chez les soufis, pour l'éducation, mais il n'apprend pas la charia. Il risque de devenir kafir. Wa liyadu billahi ta'ala. Wa subhanallah wa alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan على حبيبك خير الخلق كل